sommaire de cette session d'information, après avoir rejeté le décret de suspension des activités des partis politiques, les partis et associations signataires de la déclaration du 31 mars 2024 annoncent avoir attaqué la décision devant la Cour suprême. Par ce recours, les plaignants veulent obtenir l'annulation du décret. Les détails dans cette édition. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants, OCS, de Sikasso a découvert une plantation de cannabis dans un village du cercle de Sikasso. Le propriétaire a été arrêté par flagrant délit. Vous en saurez plus dans cette session d'information. Dans son initiative de promouvoir des sports de combat maliens, le groupe Renouveau a organisé la première édition de sa nuit de gala de boxe dans ses locaux. Cette nouvelle initiative du groupe Renouveau donne la chance aux jeunes boxeurs maliens de montrer leur talent. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement votre. Suite à la décision des autorités de la transition de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et associations à caractère politique, les partis, regroupements de partis et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 annonce le dépôt d'un recours auprès de la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation du décret portant suspension des activités politiques au Mali. Le commentaire est signé Bakary Msidibé. Dans un communiqué, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024, en accord avec leur engagement exprimé dans la déclaration du 11 avril 2024, informe l'opinion publique du dépôt d'un recours auprès de la Cour suprême à l'effet d'annuler le décret qu'elle juge tyrannique et liberticide numéro 20-24-0230-PTRM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations par l'entremise d'un pôle d'avocats constitué pour la cause. Dans la foulée, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 confirment le respect de leurs mots d'ordre relatifs à la non-participation au dialogue intermalien initié par les autorités en place. Ce dialogue, qui était censé être un cadre fédérateur de toutes les forces vives de la nation afin d'identifier les sources des crises qui secouent le pays, de prévenir et gérer les conflits en valorisant des mécanismes de gestion endogène, s'est révélé être un piège politique au regard de son déroulement, de ses conclusions et du contexte d'exclusion créé en amont à dessein, déplorent les partis signataires. Il revient désormais à la justice de trancher ce bras de fer qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tombouctou, le dialogue intermalien phase régionale a pris fin hier lundi 22 avril 2024 dans la cité des 333 saints. Les participants à liste de trois jours d'échange ont fait des recommandations afin de trouver des solutions aux problèmes récurrents que connaît notre pays. Boubacar Djité nous fait le point depuis Tombouctou. Les rideaux sont tombés hier lundi sur la phase régionale du dialogue intermalien dans la région de Tombouctou. Durant trois jours, les participants composés des délégués venus des cercles, de jeunes, de femmes, des légitimités traditionnelles et des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ont échangé sur les cinq thématiques du dialogue et ont fait des recommandations. De mon point de vue, c'est le meilleur dialogue et c'est ce dialogue qui pourra vraiment ramener la paix dans notre Mali. Parce que la spécificité de ce dialogue, c'est que c'est les communes qui ont parlé. Sans tabou, sur le plan économique, qu'est-ce qui ne va pas? Sur le plan paix et réconciliation, qu'est-ce qui ne va pas? Et les débats étaient houleux, chacun a donné son point de vue. Et je crois que les résolutions sorties de ce débat, si nous l'emmenons au niveau national, faire tâche d'huile pour qu'entre Maliens nous puissions trouver vraiment la paix. Moi particulièrement, je reste convaincu que ça va ramener la paix parce que nous avons fait des recommandations. L'État nous a demandé de dire ce que nous pensons qu'on voit possible à ramener la paix. Et on l'a dit en toute liberté et nous pensons que ce qui a été dit par l'ensemble des délégués de manière permanente. Et si l'État, en tout cas, exécute cela,
ou cherche à l'exécuter, pensant que forcément nous allons avancer vers la paix. Le chef de l'exécutif régional, tout en remerciant les plus hautes autorités et les participants à ce dialogue, a exprimé sa satisfaction. On s'est parlé directement comme le président de la transition, son excellent le premier ministre, le président de la transition. On s'est parlé directement, sans arbitre. Et les Maliens ont parlé. Ici, à Tombouctou, les Maliens ont exprimé ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent du retour de la paix. Ce qu'ils pensent de la consolidation. Ce qu'ils pensent des Mali développés. Ce qu'ils pensent des Mali réconciliés avec eux-mêmes. Donc, vraiment, je remercie les uns les autres pour cette grande mobilisation, pour cette grande mobilisation qui témoigne à suffisance leur attachement au Mali, leur attachement au retour de la paix. Il faut rappeler que les recommandations issues de ces dialogues intermaliens au niveau des régions seront présentées à la phase nationale prévue du 6 au 10 mai 2024. La Journée mondiale de l'eau a été célébrée le vendredi 19 avril 2024 dans l'enceinte du lycée Monseigneur Monglo du Sikasso, placé sous le thème « L'eau pour la paix », initié par la direction régionale de l'hydraulique de Sikasso avec l'appui financier de l'UNICEF. L'objectif de cette célébration est d'attirer l'attention des décideurs nationaux et le public de Sikasso sur l'importance de l'eau comme source de paix et la nécessité de promouvoir la coopération intersectorielle dans le domaine de l'eau. Idrissa Diallo pour le compte-rendu. Quoi de mieux que de dédier une journée entière à l'eau, source de vie? Initiée et mise en œuvre par la Direction régionale de l'hydraulique de Sikasso et ses partenaires techniques avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, cette célébration de la Journée mondiale de l'eau vise à informer et à sensibiliser les acteurs et les usagers du secteur de l'eau sur les liens entre l'eau et la paix. Le thème de cette année, l'eau pour la paix, cadre parfaitement avec la situation sociopolitique de notre pays. C'est dire autrement que l'eau peut être facteur de paix, de coopération et de développement. La population ainsi que le partenaire financier ont salué l'initiative. Nous devons prendre conscience que l'eau est non seulement une ressource à utiliser et dont on se dispute l'usage, ça a été dit ici à travers le thème, mais aussi un droit humain intrinsèque à tous les aspects de la vie. En effet, l'eau est bien plus qu'une ressource naturelle vitale. Elle est un catalyseur de la paix. Au-delà des aspects festifs, nous souhaitons que l'habitude de bonne pratique d'eau, d'hygiène et d'assainissement puisse intégrer de façon durable les pratiques culturelles, éducationnelles et sociales de l'enfant. Votre responsabilité en tant que leader, décideur et citoyen est de garantir que la gestion de l'eau transcende les frontières et les différences pour favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des écosystèmes. Nous devons travailler ensemble pour mettre en œuvre des solutions innovantes et durables qui permettront de sécuriser l'accès à l'eau pour tous, tout en préservant ce bien commun. Autre temps fort de la cérémonie a été la présentation d'un sketch et d'une poésie sur le thème « L'eau pour la paix ». La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique ainsi qu'une visite des travaux de réalisation du système d'approvisionnement en eau du lycée Monseigneur Monclo de Sikasso. Les forces armées maliennes ont interpellé deux des quatre braqueurs d'une boutique dans le village de Bara. Il s'agit d'un nommé Malik Ag Sagafou et Almahadi Ag Agafou, tous domiciliés à Tabanko, dans le cercle d'Ansongo. Lors de ce braquage, les tirs des malfrats ont blessé un enfant de 12 ans. Un cultivateur de cannabis interpellé à Gongasso par l'OCS. En effet, les agents de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants OCS de Sikasso, sous la conduite du chef d'escadron Tourou Kanouté, ont découvert le mercredi 10 avril 2024 une plantation de cannabis à Gongasso, dans le cercle de Sikasso. La drogue était cultivée sur plus de 3 hectares.
Le propriétaire, un homme d'une quarantaine d'années, a été arrêté pour flagrant délit. Alma Kodjabaté, commentaire. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants d'Essikasso vient de réaliser un exploit. En effet, les hommes du chef d'escadron Tourou Kanouté ont mis la main sur une plantation de cannabis de plus de 3 hectares avec 428 pieds de plants à Gwangasso dans le cercle de Sikasso. Dans le cercle de Sikasso, lors d'une descente sur terrain effectuée le mercredi 10 avril 2024. Selon nos sources, une information anonyme est parvenue au chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Sikasso. Celle-ci faisait état de l'existence d'un champ de cannabis dans une localité non loin de la région. Fort de tous ces renseignements, le chef d'antenne a mis une stratégie en place. Il a constitué une équipe qui s'est rendue dans le dit champ. Sur place, les éléments ont découvert plus de 350 plants de cannabis et 76 plants de cannabis en pépinière entre la culture de tomates et d'aubergines. Et d'ajouter, après les constats, le propriétaire sur place a été interpellé et conduit dans les locaux de l'Office central des stupéfiants d'Essikasso. Après son aveu, l'indélicat cultivateur a été déféré devant le parquet de Sikasso pour répondre de ses actes. Par ailleurs, le chef d'antenne de l'Office central des stupéfiants d'Essikasso entend poursuivre cette chasse aux sorcières afin d'endiguer le phénomène de plantation de drogue dans toute sa zone d'intervention. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le commandant de la brigade de recherche du camp 1 de la gendarmerie de Bamako, le sous-lieutenant Alassane Keïta, et ses éléments viennent de mettre la main sur 4 individus, dont 2 hommes et 2 femmes de nationalité étrangère, apprend-on de la DIRPA. L'opération s'est déroulée le samedi 20 avril 2024 à Sogonico, en commune 6 du district de Bamako. Ils ont été pris en possession d'une importante quantité de cocaïne en destination d'un pays voisin, précise la même source. Les investigations sont en cours pour démanteler le réseau. Première édition de la soirée gala de boxe du groupe Renouveau. Coup d'essai, coup de maître. Dans le cadre de la promotion des sports de combat, le groupe Renouveau a initié le vendredi 19 avril 2024 dans ses locaux une nuit de gala de boxe entre 2 grands clubs de boxe de Bamako. Cet événement se veut une résurrection du noble art dont les participants sont peu connus du grand public. Les détails avec Keïta Gabriel. Une nuit de boxe entièrement réussie, avec 4 duels de haute facture entre les Star Boxing Club de Maniambou et ceux du Dojo de Bako du Grand Para. En effet, l'objectif de cette belle initiative n'est d'autre que de promouvoir le sport de combat, notamment la boxe qui est une discipline pratiquée au Mali, mais peu connue du public. Cette première édition a uniquement concerné la boxe pour la simple raison qu'il y a un réel manque de compétition de ce sport à part le championnat national qui a eu lieu une fois par an alors que les jeunes s'entraînent et veulent des compétitions pour démontrer leur talent. L'initiative vise également à contribuer à la vulgarisation de tous les sports de combat. Toute chose qui a motivé le groupe Renouveau qui envisage de lancer toutes les autres disciplines. Au menu du ring, après 4 combats acharnés, le club Star Boxing de Mayamgou est sorti vainqueur de 3 combats et son rival le Dojo de Bako du Kroni a remporté un combat. Tous ces combattants ont été récompensés pour cette participation. Ainsi, les vainqueurs ont remporté la coquette somme de 100 000 francs CFA et l'équipe vaincue 50 000 francs CFA. A noter que cet événement s'est déroulé sous la conduite de l'administration du groupe Renouveau avec la présence du président de la boxe professionnelle du Mali, le représentant de plusieurs disciplines sportives et de salles de sport du Mali, la fédération malienne de boxe bien représentée par la vice-présidente et l'entraîneur de l'équipe nationale de boxe du Mali. Le lendemain de l'événement, les messages de félicitations et de remerciements n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux. Certains internautes réclament un calendrier de manière à perpétuer l'initiative qui est vue comme une manière de ressusciter les sports de combat qui sont en passe de disparaître dans plusieurs parties du pays.
La mort, un moissonnaire qui ne fait pas de sieste, a encore frappé le monde du théâtre et du cinéma malien. L'artiste comédienne Oumou Berthe, dite Dikore, n'est plus. Elle est décédée le lundi 22 avril 2024 des suites d'une longue maladie à l'âge de 55 ans. Oumou Berthe a joué dans plusieurs pièces de théâtre et de films, dont la série Badjenay, Les Rois de Ségou, Faro, D'où la famille, Le Grain, entre autres. Elle a aussi participé à plusieurs sketchs. En cette circonstance douloureuse, le groupe Renouveau présente à la famille de l'illustre disparu ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos éternel de son âme. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonne soirée à tous. À bientôt.